Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Robin Bayol. On est euh, mardi 20 août, il est à 19h et donc aujourd'hui je vais vous parler des points pivots. Vous avez été nombreux à me demander euh, bah, pas mal de choses hein, sur la dernière vidéo YouTube, je vous ai dit effectivement de me laisser eh bien, euh, un petit commentaire avec un souhait euh, de choses à, à voir ensemble. Bon, il y a déjà beaucoup de thèmes qui ont déjà été abordés, par exemple il y en a un, il m'a demandé oui. Euh, euh, Est-ce que tu pourrais nous montrer une analyse en partant du journalier jusqu'aux 15 minutes Il y a déjà ça sur la chaîne YouTube. Allez voir, il y a déjà ce truc-là. Et euh, là, aujourd'hui, bah, vous avez été très nombreux à m'envoyer un message privé sur les réseaux ou à me marquer point pivot. Donc, on va parler des points pivots, en tout cas de mon utilisation des points pivots, ce que moi, j'en fais, euh, pourquoi je l'utilise, comment. Et euh, du coup, bah, ça va peut-être vous donner euh, deux, trois outils en plus dans le but de vous aider à améliorer vos résultats et évidemment d'être encore plus puissant. Ensemble. Alors, si c'est pas fait, déjà, évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Il n'y a pas encore assez d'abonnés. J'aimerais bien qu'on passe la barre des 10 000 abonnés avant la fin de l'été avec les tutos qu'on fait. Ça serait quand même mérité. Donc, abonnez-vous si c'est pas fait. Euh, ça serait vraiment sympa. Faites tourner les vidéos également sur vos réseaux sociaux. Ça serait cool. Et euh, voilà. Aujourd'hui, ça a été une journée euh, moyenne. Euh, nous, on n'a rien fait. On avait gardé le trade d'hier sur le DAX. Mais euh, du coup, euh, je me suis fait reprendre au point d'entrée. Bon, j'avais sorti la moitié hier, mais je me suis fait reprendre. C'est comme ça. Il faut aussi le dire quand, euh, quand ça se passe moins bien. On a eu la chance de faire des beaux scalps effectivement sur le dos. On a fait une session de scalping cet après-midi avec les abonnés qui ont commencé par deux petits stops. Et puis finalement, on a fait 60-70 points sur le troisième trade qui a permis de finir la session positive. Donc je suis assez content. Et ça montre encore une fois l'intérêt de la psychologie, l'intérêt de la confiance. Euh, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en sa stratégie. Euh, voilà, il faut pouvoir justement être sûr de ce qu'on fait. Et c'est ce qui fait que vous allez devenir gagnant sur le long terme. Ce n'est pas juste être magique, ça n'existe pas la magie, c'est juste de savoir ce que vous faites, d'avoir des stratégies qui fonctionnent et de pouvoir effectivement avoir confiance en vous. Et donc je suis là pour ça, pour vous donner des outils, vous montrer ce que je sais faire. Et rappelez-vous qu'en septembre, Livestream Trader qui arrive, c'est la première offre de streaming trading francophone. Je suis en train de créer l'espace l'équivalent de Twitch, mes versions trading. Vous allez voir, ça va déchirer, il va y avoir plein de programmes, il va y avoir des programmes dédiés dé dé aux actions, d'autres indices, d'autres forex, d'autres aux crypto, du scalping, du day trading, du swing trading, euh, des émissions éducatives sur l'analyse technique. Euh, voilà, Il va y avoir vraiment plein de choses. On est déjà 5 traders qui, qui sommes partis pour euh, démarrer l'aventure. Et donc peut-être qu'un jour, vous, vous-même, qui êtes bon là devant vos écrans, peut-être vous viendrez diffuser sur notre plateforme Livestream Trader. Euh, votre stratégie, on verra comment les choses vont se développer. En tout cas, je pense que ça va être génial et euh, voilà, ce sera, euh, ce sera interactif. Ça va vraiment être cool. Alors, les points pivots. Donc là, on est sur le Dax. On va se mettre sur le, le cash. Ça va être plus efficace. Voilà. On est sur le cash et on a euh, les points pivots. Les points pivots, c'est quoi Les points pivots, c'est des niveaux qui, en soi, en niveau réflexion intellectuelle, n'ont aucun sens. C'est-à-dire que c'est posé là. Voilà, le calcul il est extrêmement simple. Pour calculer le pivot mensuel, euh, par exemple, on prend bah, le mois dernier, donc la période précédente, on prend le plus haut, le plus bas, la clôture, on divise par 3. Ça nous donne le point pivot. Donc ça c'est, voilà. Et il faut considérer ça, le point pivot, donc ouais, si je suis en mensuel, donc c'est calculé par rapport au mensuel, donc on prend la bougie mensuelle, pas celle en cours mais précédente, le plus haut, le plus bas, la clôture, on divise par 3, ça nous donne un point pivot un point donné dans le graphique, hein, et là, en l'occurrence, c'est 12, euh, 12 320, pardon. Et donc, la légende nous dit, et moi, je, je vous invite pas à utiliser uniquement le point pivot, parce que ça, ça marche plus, ces trucs-là, c'est trop vieux, il faut le combiner avec d'autres stratégies. Ça doit faire partie des cordes que vous avez à votre arc, mais si vous voilà, jouez plein de vidéos YouTube, comment trader avec le point pivot Non, tu ne trades pas qu'avec le point pivot, ce n'est pas, pas possible, ça ne marche pas sur le long terme, je pense en tout cas, mais c'est quelque chose à connaître qui va vous permettre d'avoir une convergence de signaux. Vous avez un croisement de machin, un signal truc, et en plus on passe le pivot, vous allez découvrir dans la vidéo, bah, ça vous donne un petit argument supplémentaire. Donc c'est comme ça qu'il faut s'en servir. Et donc par exemple, bah, le, le, vous avez vu, hauteur, machin, clôture divisé par 3, ça me donne un niveau. Là en l'occurrence, c'est dans les pivots mensuels, bah, on considère que c'est un niveau d'équilibre de marché. Voilà, c'est un niveau d'équilibre où sous ce pivot, on est dans un mouvement baissier. Et au-dessus de ce pivot, on est dans un mouvement haussier. Donc là, c'est sur le mois en cours. Je ne sais pas, là, la bougie du mois, elle a commencé quand. On va mettre ça aux petits oignons. On va mettre ça comme il faut. Donc évidemment, le 1er août. Dadada, dadada, voilà. Parce qu'avant, c'était du coup un autre pivot qui était celui du mois dernier. Vous allez voir, on peut les faire apparaître les précédents. Et donc on considère qu'on doit, on est censé plus vendre quand on est sous le pivot et plus acheter quand on est au-dessus du pivot. Après, évidemment, il va falloir faire apparaître le pivot qui va avec votre unité d'analyse. Si vous faites du, du scalping, euh, bien vous allez peut-être plutôt utiliser les pivots journaliers. Si vous faites du très très long terme, vous allez peut-être utiliser les pivots hebdomadaires, les pivots mensuels. Moi, en général, sur mes analyses journalières, je mets le pivot euh, mensuel parce qu'il y a souvent une réaction dessus. Et vous voyez, on a R1, R2, R3, S1, S2, S3 qui sont du coup, là aussi, on part, c'est calculé. Alors on s'en fout de la formule en fait. Et du coup, c'est résistance 1, résistance 2, résistance 3, support 1, support 2, support 3. Et donc, c'est des niveaux clés. qui Pourquoi on les met Parce qu'en fait, c'est un peu autoréalisateur. C'est-à-dire que vu qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de traders qui les utilisent, bah forcément, c'est intéressant de les utiliser aussi. C'est un peu autorisateur. Et ça, souvent, ça me fait marrer parce que quand il y en a qui me disent sur les réseaux qui m'attaquent Ouais, si tu étais si bon en trading, euh, euh, tu vendrais pas les formations. Alors, déjà, si j'étais mauvais, tu me dirais la même chose. Mais en plus, euh, sache que plus on est nombreux à utiliser la même méthode, plus il y a de chances qu'elle fonctionne. Donc, quelqu'un qui a une bonne méthode, il a tout intérêt de la partager. Petite parenthèse. Quoi qu'il en soit, eh bien vous avez vu que vous avez des niveaux. Donc du coup, je vais enlever les trucs verts pour parce que je pense que vous avez bien compris. Des niveaux dits de support. Vous savez ce que c'est un support. Donc là aussi, c'est calculé. C'est pas très important la, la formule. Je la connais, mais bon bref. Et vous avez ensuite des niveaux de résistance. Et donc pourquoi on les met Vous allez comprendre que c'est plus utile en journalier que en mensuel. Moi, ce que j'aime, c'est voilà dire. On est en dessous du pivot mensuel. On est dans un mouvement correctif à long terme, etc. Et à part évidemment quand il y a des énormes cracks comme il y a pu avoir genre 2001, 2001 11 septembre et, euh, et euh, crise des subprimes, eh bien très souvent les niveaux extrêmes, quand on va les chercher, eh ben c'est des bonnes opportunités pour un swing, sous surtout S3, R3. Donc vous avez S1, R1 qui sont support 1, résistance 1 les plus proches du pivot, le 2 un peu plus éloigné et le 3 qui est l'extrême. Eh bien bien souvent, quand on va chercher S3 mensuel, donc c'est vraiment le, la cave, eh c'est souvent une belle opportunité d'achat. Euh, vous voyez, quand on combine ça avec la taille des bougies, ben là, on a eu un marteau sur S3, donc ça peut être aussi l'occasion de déclencher un swing. Un swing. Donc, ça, c'est à retenir dans votre tête de savoir que pour le long terme, eh bien, quand on est sous pivot mensuel, on est plutôt dans un mouvement correctif voire baissier. Et euh, S3 est un, un indicateur intéressant pour aller chercher justement, euh, essayer de trouver euh, quelque chose pour rattraper un excès. Et euh, R3, c'est la même chose dans l'autre sens. Donc ça, c'est l'utilisation des pivots mensuels. On peut aussi faire la même chose en hebdomadaire si on veut. Ça donne une indication. On ne va pas trader directement, faire un scalp dessus. Même s'il y a des gens qui scalpent les points pivots, je crois que notre ami Benoît Rousseau, ça fait partie de sa méthode. D'ailleurs, on le salue. Euh, voilà, je devrais, je devrais aller le voir dans pas trop longtemps d'ailleurs. Mais on peut faire la même chose avec les points pivots hebdomadaires. Vous voyez, là on est toujours au-dessus de l'hebdo. Donc voilà, si on a une cassure par exemple du point pivot hebdo, bah, ça peut être un signal, effectivement, euh, euh, assez intéressant pour peut-être aller chercher à S1, etc., etc. Parce que ça, c'est la vraie utilité des pivots, du coup, c'est de vous donner, et c'est ça qui est intéressant dans les points pivots, c'est qu'ils apparaissent avant l'ouverture de la prochaine bougie. Donc avant l'ouverture du marché. Ce que je veux dire, c'est que regardez, vu que là on est sur le... Le Cash, donc le CAC 40, ou le DAX, pardon, qui ferme à 17h35. En tout cas, la bougie du jour, elle est clôturée. La séance du jour est terminée. Maintenant, on est basculé sur les futurs, mais la séance du jour est finie. Bah, regardez, si on met les pivots journaliers, on a encore les pivots d'aujourd'hui, mais on a déjà les pivots de demain. Donc, ça permet de construire une stratégie, de les avoir un petit peu à l'avance. Celui qui est très matinal, qui va par exemple se mettre avant l'open à regarder un petit peu ses graphiques, eh bien, il va pouvoir dire effectivement, euh, j'ai envie d'acheter le DAX, par exemple, euh, voilà, mais je vais attendre qu'il casse son pivot journalier. Par exemple, ça peut être une solution, tu vois. Euh, et du coup, bah, il va aller se viser en objectif R1. Et une fois qu'il a été sur R1, si jamais on casse R1, bah il sait qu'il va aller chercher R2. Et il va peut-être protéger son trade, du coup, en remontant son stop ou sur le pivot ou sur R1. Et vice versa, vice versa. Ça va vous permettre de placer correctement. Et ça aussi, je, je, je vous invite, quand vous avez du mal à placer les stops, bien souvent, vous ne savez pas trop, vous les placez un peu à l'arrache, bah vous allez pouvoir utiliser les pivots et pour les stops et pour les jeux objectifs. Je euh, continue. Regardez par exemple, on va se mettre sur le DAX en 15 minutes. Là, du coup, on est sur une utilisation plus intraday. Euh, du truc. Voilà. Donc là, on est, de, on est en temps réel hein, puisque le marché est encore ouvert. Donc vous voyez, par exemple, euh, allez, on va faire apparaître les pivots de tous les jours. Comme ça, ça va être intéressant de regarder un peu ce qui s'est passé dans le passé. Donc, vous voyez, chaque jour, vous aviez un point pivot bah, qui change en fonction de l'évolution de la veille. D'accord Donc on estime que quand on est au-dessus du pivot, on va privilégier plutôt les achats dans son day trading pour aller chercher R1. Voilà et puis bah là vous voyez pouf on a cassé R1 bah super je remonte mon stop R1 ah hop on on est sorti break even et à l'inverse quand on est on pète le pivot par le bas donc là on a eu un beau signal par exemple et eh bien on va aller chercher rs S1 et puis si on casse S1 on va aller chercher S2 etc etc donc c'est mieux dans des marchés en tendance euh, ou en range, mais en tout cas dans un mouvement plutôt tranquille, y a des mouvements violents, bah forcément c'est un peu moins respecté. Mais ça vous permet de vous fixer des objectifs. Par exemple, euh, j'ai acheté, euh, je ne sais pas moi, la cassure du... Regardez, c'est un exemple tout concret. C'est toujours facile de faire refaire le passé. Mais il y a une cassure de R1, on est venu faire un pullback dessus, R1 tient, et eh bien je vais acheter R1 et je vais mettre mon stop à pivot. Et puis hop, on va chercher R2, du coup je mets mon stop à R1, etc. etc. Vous voyez, ça vous permet de vous fixer des objectifs et de placer vos stops correctement, là on peut regarder le, le Dow Jones par exemple, et aujourd'hui, eh on a fait une séance autour du point pivot, donc le marché était équilibré, il n'y a pas eu vraiment de mouvement, à chaque fois qu'on a cassé le pivot, on est revenu repasser au-dessus, bon, bah, ça c'est un fait, par contre, effectivement, il y a des jours où bah, on était au-dessus de pivot, on pouvait, hop, hop, on a cassé, hein, on achète, on met le stop à pivot, on tient son trade, paf, on a été chercher R2, magnifique. Donc ouais, ça vous donne des objectifs. Et dans des séances euh, eh bien un peu euh, un peu euh, violentes, comme il y a pu l'avoir ici par exemple, on a cassé pivot, on a cherché R1. Ok, on met notre stop break even. Paf, on a cassé S1, pardon. On va chercher S2, on met stop à S1, paf, on va casser S2. Ah, on arrive à S3. On se rappelle que c'est un, un excès de marché. S3 est très rarement cassé. Bon, je prends mes bénéfices. Donc ça va vous aider. Euh, à privilégier aussi votre day trading en disant voilà OK on va on va regarder le, le DAX par exemple parce qu'on a déjà les pivots de demain c'est un exemple voilà demain même si je le regarde sur le futur mois avant 8h euh, qui est pour moi l'ouverture officielle même si le, le futur DAX est déjà ouvert à ce moment-là mais vous avez, vous m'avez compris donc par exemple, j'ai envie d'acheter parce qu'il y a une divergence euh, journalière, aujourd'hui on a eu un petit repli, ok, bah, je vais acheter la cassure des pivots journaliers, donc des 670, 680, mon objectif 1 ce sera 740, mon objectif 2 ce sera 830, et puis je vais mettre un stop à S1. Et à partir du moment où j'ai été chercher mon, mon R1, eh bien je remonte mon stop à pivot, et quand je vais chercher R2, je remonte mon stop à R1, et si j'ai la chance d'aller à R3, je mets, je mets les voiles et je prends mes bénéfices. Voilà comment il faut utiliser les points pivots à mon sens. Alors après, je n'ai pas la science infuse, je peux compter voir les choses à l'envers me tromper et vous pouvez avoir une utilisation complètement différente de, 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 de pivots euh, par exemple je sais que certains traders vont utiliser les très gros points pivots hebdomadaires ou mensuels qu'on va se mettre sur euh, l'hebdomadaire par exemple voilà ils vont se mettre en une minute ou en tic Alors, je sais pas si on va bien les voir là du coup non on les voit pas Ouais, on ne les voit pas trop, on va mettre en 5 minutes, c'est un exemple, C'est pas ce que j'utilise, vous avez compris. Et du coup, ils vont jouer euh, le, le rebond sur le pivot. Donc par exemple, ils vont avoir une quasi, euh, quasi 100% de réussite à ce que, quand on vient toucher le point pivot, bah, on ait un rebond de quelques points. Ou à l'inverse, quand on est dans l'autre sens et qu'on vient le rechercher depuis le bas, on a un rejet très souvent. Donc il y en a qui font ça, qui vont jouer les rebonds sur les pivots. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est ne pas rentrer dans la complexité parce que du coup, ah, il a dit ça, plus ça, plus ça. Tu regardes, ne serait-ce que, que mes tutos, tu vas te retrouver avec un sapin de Noël parce que je suis là aussi pour vous expliquer des trucs, même si je ne les pas au quotidien en vous disant attention, c'est à titre indicatif. Là, ça peut être sympa de vous les approprier pour vous en servir comme on va dire, euh, repères graphiques pour vous fixer des stops, des objectifs, et pour privilégier votre day trading à partir du moment où on est au-dessus ou en dessous du pivot journalier. Et puis, euh, et puis voilà. Je pense que c'est assez clair pour euh, Tout le monde, donc là on peut regarder aussi par exemple sur une paire de devises hein, euh, sur l'euro dollar, c'est peut-être moins moins évident, mais voilà. On est passé au-dessus euh, du R1, hein, bah, ça peut être pour certains un euh, signal euh, d'achat. Euh, là, vous voyez par exemple, on est venu chercher le pivot, le pivot il a bloqué. Paf, ça peut être pour certains dire Ah, on a rejeté pivot, c'est euh, un signal du coup de, de short. Je short, je vais chercher S1, on casse S1, je vais chercher S2. Ah, S2, on, on le sauve, je sors. Voilà, à vous aussi d'aller fouiller un petit peu, d'aller tester les choses, d'observer le marché. C'est pour ça que moi je suis convaincu que la partie théorique, c'est bien, mais pourquoi je vous en donne autant sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Parce qu'elle est déjà disponible quasiment à 100% gratuitement sur Internet. Du coup, je préfère vous donner les choses de la façon la plus simple possible, et je suis convaincu que ce n'est pas la théorie qui fera de vous un trader gagnant, c'est la pratique. Donc voilà, je vois moi qu'il pousse des formations de trading dans tous les sens par des gens de plus en plus jeunes. J'ai vu une formation hier, le mec il a, il a 18 ans, il n'a même pas mué, euh, il fait les mêmes vidéos que tout le monde avec sa chemise Ralph Lauren devant des écrans, euh, il n'a pas mué. Donc le mec, ok tu es trader pro, c'est cool, mais ça veut dire quoi Trader pro, tu es pro, tu es sponsorisé, que, comment ça se passe Moi c'est simple, c'est trader gagnant ou trader perdant. Aujourd'hui, euh, moi je me considère comme trader indépendant. Même si effectivement j'ai des, des contrats de gestion avec uh, des petits fonds d'investissement, voilà, je, si je veux être en slip chez moi, je suis en slip chez moi. Et c'est ça, je pense, qui vous intéresse. C'est pas trader pro machin, c'est euh, de dire voilà, moi je prends de l'oseille, soit pour me faire un petit complément de revenu, soit effectivement pour tenter un jour d'en vivre. Euh, voilà, tout est possible, mais il va falloir se donner les moyens, il va falloir. Il va falloir bouffer du graphe comme je le dis dans chacune de mes vidéos, et donc c'est l'expérience. C'est à force de, de voir les setups, c'est comme tout, c'est comme n'importe quelle activité. Je fais souvent un parallèle avec le poker, mais finalement c'est assez répétitif. C'est toujours les mêmes setups, toujours les mêmes probabilités. Toujours tu as, as, as 52 cartes, donc à un moment donné, euh, c'est toujours la même chose la position, les blindes, euh, ton tableau de push or fall. Enfin, c'est toujours pareil. Ce qui va varier, c'est ta résistance et les erreurs des autres. Donc du coup, voilà, c'est toujours finalement les mêmes setups et puis au fur et à mesure du temps, plus le temps passe, bah, moins tu réagis au bad beat et du coup, tu réagis un peu comme une machine. Et voilà, c'est toujours, toujours, toujours la même chose. Bah, le, le, le trading, c'est un peu pareil finalement, même si les marchés évoluent, eh bien, ce sont des setups que vous allez reconnaître et des choses. Moi, aujourd'hui, j'ai accumulé une expérience qui me permet de, voilà, quasiment instantanément de savoir quoi faire à l'instant T. Est-ce que j'achète est ce que je vends ou est-ce que je ne fais rien Et ça, c'est extrêmement important aussi de savoir ne rien faire. Enfin, on en reparlera dans une prochaine vidéo, savoir patienter, c'est important aussi. Enfin bref, là, on s'égare du coup et euh, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé, c'était un peu intense. Ça fait euh, combien 16 minutes qu'on est ensemble. J'ai tenté de vous expliquer mon utilisation, ma vision des points pivots. Ça va, j'espère vous aider. Ne euh, N'utilisez pas trop d'indicateurs, ne faites pas de vos graphiques des sapins, de Noël et puis euh, ben voilà nous euh, sur les indices aujourd'hui on n'a pas fait grand chose si je devais vous donner mon avis par rapport à demain bah euh, voyez ben, ouais, on va se mettre en journalier sur euh, le cash je vais laisser le pivot hop voilà un peu tranquille euh, du coup bah, ouais, là on a zéro indicateur là on n'a pas de flux là, on a rien c'est là qu'on va voir effectivement si on n'est pas mauvais il euh, y avait toujours cette divergence haussière là je le sais je triche un petit peu on n'est repas repassé au-dessus de la fameuse zone de l'ancien plus bas sur lequel là on est venu faire un pullback, on peut venir combler peut-être le gap dans les prochaines heures, peut-être demain vers les 580. Ce qui est pour moi, je pense, un niveau à surveiller pour demain, pour éventuellement payer. Je pense qu'il faut payer. Pourquoi bah justement parce qu'on est sur le S3 mensuel, parce qu'on a quand même une configuration sur laquelle il y avait plutôt des acheteurs. Et voilà, même si le vrai gros signal de d'achat, de, ce sera si on arrive à recasser par le haut les 840. 140, là ce serait un très très fort signal. Et du coup, on irait combler. Pourquoi pas le gap à 12120. Moi, je pense qu'il faut voilà, essayer de trouver le point d'entrée le plus fin possible. Voilà, on a un petit gap sur le cash qui n'existe pas, évidemment, sur le futur. Donc voilà, vous mettez ce petit repère. Ça fait en plus, comme par hasard, ça doit correspondre à peu près, je pense, à 50%. Euh, voilà, 506. Et c'est euh, 550. Donc c'est un peu moins de 50%. C'est plutôt... Autour des 38% de Fibonacci de la vague précédente. Donc voilà, je laisserai couler un petit peu. Et moi, demain, en tout cas, c'est mon plan, eh bien je surveillerai ces niveaux-là pour éventuellement retenter de payer. Voilà. Alors on peut venir faire un plus gros pullback, vous voyez, là-dessus, pour repartir à la hausse. Donc voilà, je suis plutôt à l'achat. Euh, on avait sorti la moitié ici hier, là on s'est fait reprendre l'autre moitié au point d'entrée, dommage, c'était 625 et vous voyez on a fait au plus bas 616 donc pour 10 points et du coup j'attends qu'ils viennent peut-être vers les entre 560 et 510, je suis ces de paliers. toujours sur un signal d'achat euh, précis, 15 minutes type, avalement, euh, divergence ou ce genre de choses. Bref, merci à tous de nous suivre, vous êtes encore une fois de plus en plus nombreux. Euh, merci pour tous vos commentaires, merci pour vos pouces bleus, ça fait plaisir. Merci aussi pour vos pouces rouges, ça fait aussi plaisir. Ça veut dire que euh, vous regardez quand même nos vidéos même si vous ne nous aimez pas. Et ça c'est cool. Et je vous dis à demain pour un nouveau tuto. Ciao